Femme affranchie, première méga conférence à Montréal. À Montréal. Montréal. Et Montréal. À Montréal. Montréal. Vous êtes tous invités à nous rejoindre le 16 mars, le 17 mars. Venez nombreux à Montréal. Venez, venez, venez participer à la première conférence Femme affranchie à Montréal. Avec l'invité spécial, le révérend docteur Jacques Maloma. Avec la servante de Dieu, le pasteur Béatrice Maloma. Mes amis, une femme qui tombe enceinte sans voir ses règles. Moi, l'ange m'avait invité pour que je vienne à la conférence. Quand je suis venu, j'ai vu la main de Dieu. Le Seigneur m'avait guéri de la folie. Moi que vous voyez, le diable avait volé mon identité et les identités de mes enfants. On a pu récupérer nos identités qu'on a menées au cimetière, s'il vous plaît. Moi qui vous parle, j'étais malade il n'y a pas longtemps. Que le docteur soupçonnait que j'avais un cancer de sein, de tout le deux seins. Et la servante de Dieu avait prié pour moi et j'ai obtenu ma guérison instantanément. Moi, j'étais à l'église, je servais Dieu, mais mon mariage était bloqué. Mais j'étais toujours attachée à ces dieux du ministère Femme Affranchie. J'étais toujours attachée à ces dieux qui m'avaient fait la promesse. Moi qui étais célibataire, le Seigneur m'a donné un mari en or, un mari qui me respecte, un mari qui m'aime. Je viens vous lancer une invitation de venir à ce rendez-vous divin où la puissance du Saint-Esprit manifeste à travers l'adoration. Peut briser les chaînes de dépression, de la malédiction, de l'échec dans les études, du célibat. Il y a des paniers qui sont en train d'être circulés pour toi. Prends des bénédictions, 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 au nom de... Toi, tu es supposé d'être marié. Toi, tu es supposé d'être en santé. Toi, tu es supposé de trouver un bon emploi. Bien-aimé, le moment est venu que tu ne peux pas rater. À l'hôtel Sheraton de Laval, le 16, le 17 mars, soyons tous là, bien-aimés, et nous allons vivre cette année d'or.